Hey, Rachel Helps here. I am so excited that we can do our first storytelling in French for you. With the permission of Edition Mimo, based in non-France, a publisher of children's and young adults books, also the author Emily Vast. Now, I'm 41 years old and I'm still a fan of children's books. I love how they combine illustrations, colors, and stories. Also, I'll tell you one technique I use to help me learn French. Now, it wasn't with those same old textbooks you get in a language class. It was with children's stories books. Yes, I know. So, our aim is to show you, you can use children's storybooks to learn French at no matter what age you are, and to discover different French authors. So, I'll leave you with HB, and I'll see you right after the story. HB here. Today, I will read you a story in French, so you can get used to hearing correct pronunciation of words and learn some vocabulary. And yes, I am Frenchman. Et alors? The name of the book is Abeille et Épère. Abeille et Épère, which means bee and garden spider. Written by Emily Vast. And illustrations by the author. Tout le jour, Abeille travaille pour la ruche. Épère, elle, construit sa propre toile. Chacune a sa place dans la nature. Abeille et Épère ont un message. Écoutons. Abeille est travailleuse. Elle butine le nectar et collecte le pollen des fleurs. Pendant ses allers-retours à la ruche, elle ne peut s'empêcher d'observer la drôle de danse des pères. Distraite lors de son dernier passage, Abeille se prend dans la toile et la déchire. Ah, c'est malin! Comme si je n'avais que cela à faire. Je travaille, moi, dit Abeille en démêlant de ses antennes les fils gluants. Tu pourrais t'excuser au lieu de râler, ronchonne Épère. Tu viens de détruire mon ouvrage. Ton ouvrage, interroge Abeille. Oui, mon piège. Chaque matin, je choisis avec soin le bon endroit pour tisser ma toile et, caché, j'attends que les insectes s'y collent et la fassent vibrer. Alors, je les capture, je les emballe comme des petits paquets et j'en fais mon repas. Tu travailles donc juste pour toi ? Demande Abeille. Oui, pas toi, c'est un épère. Oh non, moi je travaille pour la ruche. Nous, les ouvrières, construisons des cellules de cire, les alvéoles. Nous ventilons, nettoyons et protégeons la ruche. Nous transformons le nectar en miel et en remplissons certaines alvéoles. Au cœur de la ruche vit la reine, qu'il faut servir. Elle pond des œufs dans certaines alvéoles et quand ils deviennent des larves, nous les nourrissons de miel. Ces larves sont de futures abeilles. Quel travail, quelle organisation, admire Père. Et toi, quelle patience, quelle précision. Abeille s'excuse d'avoir brisé la toile des pères. Épère s'excuse que cela ait retardé Abeille. Au moins, tu ne l'as pas fait exprès, pas comme les humains. Cela ne m'en parle pas.
Les humains utilisent tout de notre ruche. Du miel, ils font des bonbons, des gâteaux, des produits de beauté, sucre leur thé. De la cire, ils font des bougies et des produits pour embellir le bois. Du pollen, de la gelée royale et de la propolis, ils font des médicaments. Ils aiment tout ce que nous fabriquons et malgré tout, ils ont peur de nous. Nous leur voulons pourtant aucun mal. Nous piquons rarement et seulement pour nous défendre. Les humains nous confondent souvent avec guêpes, qui, il est vrai, n'est pas toujours aimable et peut piquer plusieurs fois. Si nous piquons une fois, nous mourrons. Nous sommes poilus et dorés, les guêpes toutes lisses et bien jaunes. Nous aimons les fleurs, elles aiment la viande, les fruits et les pique-niques. Les humains devraient nous dire merci, car nous pollinisons les fleurs, qui, sans nous, ne deviendraient jamais fruits, légumes ou graines. Épère se lamente aussi. Les humains ont peur des araignées. C'est vrai que toutes ces pattes, c'est particulier. Mais on ne tue pas quelqu'un que l'on ne trouve pas séduisant. Contrairement à ce que l'on pense, très peu d'araignées mordent. Et encore moins ont un venin mortel, et aucune en Europe. Si je mords, et c'est très rare, c'est seulement quand je me sens en grand danger. Aucun intérêt pour nous de croquer de l'humain. Berk ! Les moustiques, eux, piquent les humains pour se nourrir. Et moi, les moustiques, je les mange. Je débarrasse les humains d'un tas de petites bêtes qui les agacent. Mouches, moucherons, pucerons, blattes et acariens. Ils devraient me dire merci, à moi aussi. Et comment ils nous récompensent? Ils mettent des insecticides dans leurs plantes. « Qu'ils sont bêtes !» disent les deux compères en riant. Sur ces mots, chacune salue l'autre et repart à ses occupations. Ce qu'Abeille et Épère ne savent pas, c'est que quelqu'un les a écoutés. En rentrant à la maison, Camille explique tout cela à ses parents et à ses amis. Camille se promet de ne plus avoir peur de ces étonnantes créatures, de les respecter et même de les protéger. So, did you like the story? Were there some words that you already knew? Was it difficult to understand or easy? Either way, don't worry, I got your back. There's a lot of basic vocabulary and everyday verbs in the story, so that is why I chosen this book. To accompany this story, in French, I have written a blog post that goes over some of the vocabulary and verbs to help you understand the story better. So that you can improve your French, here are the steps you can use to help you or your little ones to achieve your language goals. So step one, go to my blog post, link down below, and read my instructions. I give the breakdown there. Step two, watch the story again and listen for the verbs and vocabulary that I mentioned in my blog post. Step three, wash, rinse, and repeat all steps. If you do step one to step three, you will learn some new vocabulary, correct pronunciation, and how you can use everyday verbs in French. That simple. Okay, I'm back, and look who my little helper decided to join us, so Lunikin, so you might see her ears flopping in and out of the video. So HB, did you like reading this story? Yes, I did. Actually, I love bees. Okay. I love bees, like bees and too. How they are useful to the whole world. You know, I recently went to a foire, the Foire au Miel, okay, in Toulouse. Mm-hmm. It was Honey Fair, and I learned a lot about the queen bee while I was there. So, I like this book. Okay. Okay, so do you think we should continue doing videos like this one? I don't know. Okay. That's right. We don't know. That is why we need you to tell us what you think of this storytelling video. Should we stop or continue? Any suggestions are welcome. Now, to get in touch with us, the place you want to be is in the comments section of our blog post. The link is down below. And please do share this video. Last, if you really enjoyed this book, please support
edition Mimo and Emily Bass by buying this book. The link is down below. So, can you say all that in French? I can say bye. So, au revoir. Okay, so we will see you in the comment section of our blog post. Au revoir. Salut. Ciao.